C'est bon, tu es prêt? Une seconde. Toi là, tu veux pas être dans mon direct? Rentre là-bas. Voilà, comme ça, c'est bon. Toi là-bas là, à gauche. Bâtard. On ne bouge plus. Prêt les gars? J'envoie la musique. Chers followers, nous sommes au village. Un village qui se tient bien sage, comme on le dit à Panam. Pour vous servir, le frère Abdelhach, bien entendu. Donc n'hésitez pas, durant ce Facebook Live, à mettre beaucoup de cœur, un seul cœur, les pouces, et surtout, faites monter le mercure. Ok, c'est bon, place au direct. Allez, dégagez. Alors, monsieur, qu'est-ce qu'on a là? Quelqu'un peut m'expliquer? Hein? Donc, parmi vous, il y a un humoriste. Hein? Voire pire, un intellectuel. C'est ça? Voilà. Tu n'as pas l'air trop bête. Ce ne serait pas toi par hasard. Mettez le cœur, hein? Mettez le cœur, likez le pouce. Pas mettez le cœur, mes frères, mettez. Dis-moi, à ton époque, on était encore instruits, il me semble. Hein? Je ne sais pas lire. Tu sais pas lire? Comment ça, un vieux comme toi qui ment? Je vais te fumer. Non, pas ça. Pas ça, s'il vous plaît. Un vieux qui fume, tu as une bibliothèque qui brûle. Visez-moi un peu cette bibliothèque. Mais tu ne sais même pas lire. Trop d'ignards dans ce village. Encore un échec de l'éducation nationale. Hein? Bon, assez joué. Flinguez-moi ces abrutis. Bon, je plaisantais, bien sûr. Il est où l'institut? Bravo pour cette manifestation éclatante de courage et de solidarité. Voilà. Debout, prends ça et va là-bas. En vous remerciant pour votre aimable collaboration, abattez-moi ces imbéciles. Là, ça ira. Alors, l'instit, dis-moi, tu dois aimer le cinéma. Si je te dis, toi, tu creuses. Une tombe pour toi tout seul, la tombe de l'instit inconnu. Bah, tu vois, on n'est pas que des brutes. Ah, c'est bon, chef! Il va ruiner mon direct avec cette tamor. Même Mouloud a zappé sur le foot. Ok. L'audimat is king. Lestit, allonge-toi dans le trou. C'est ton quart d'heure de célébrité. Tu vois? Quand on voit sa bête, direct ça remonte. Mettez les cœurs. Likez. Connectez-vous, likez, partagez. Chef, j'ai une idée. On pourrait le faire exploser. Décapiter seulement, c'est du déjà vu. Ok, c'est toi le créatif. Super. Artistique license. Mouloud, balance la grenade. Quitte-la! Thank you.
Tu es trop con. Quoi? On peut plus s'amuser? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un signe. Je vais suivre cette trace. Encore un signe. Vous gagnez tout. Bah, si vous perdez, vous perdez rien. Gageons donc qu'il existe, sans hésiter. Tout ça doit bien avoir un sens. Hop, en route. En tout cas, me voilà paré pour le déluge. Une insolation ou même un dîner de gala. Oasis, je suis sauvé. Désolé de vous déranger, madame. Un peu d'assistance sera la bienvenue. Je grouille un peu. Le maquillage c'est important, mais là il y a urgence. T'as jamais vu de nez? File-moi plutôt ta bouée. Je crois que tu n'as pas l'usage. Merci Brigitte. Au fait, si je peux me permettre, tu as commis une vite dessinée. C'est ton front. Vraiment, les dieux sont pas sérieux.
Putain, ça part partout sauf là. C'est quoi cet embrouille? Calme-toi. Et raconte-moi plutôt ce qu'une drag queen tatouée comme le désert avec un papillon sur la queue. Bah, j'étais au village, du coup les cas ont débarqué les djihadistes avec des. Ils ont commencé à mitrailler tout le monde, tout et tout. Après ils m'ont fait creuser, j'ai creusé pour me détendre. Et quand ils font j'ai fait un truc et paf. Voilà, c'est tout. Et toi, demi-homme? Bah moi c'est un peu plus basique. J'ai cédé aux sirènes d'immigration. Et le passé m'a jeté du camion. Parce que mon âge était fini. Et c'est comme ça, à défaut de Méditerranée. J'ai atterri dans cette mare où tu m'as trouvé. Oh Brigitte, trêve de mondanité. Je pense qu'on aura bientôt de la visite. Jette-moi ce putain de nœud et enfile mon pantalon. On doit se planquer. Par la grâce du Tout-Puissant, un signe d'Allah, je suis béni. Allah, ce soir c'est la fête. Tu veux du roi Khaled? Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Roger, remind me to reload the tie battery. It's really our very best war on track. Où on va? Devant. Devant? Ouais. Alors que la terre est ronde. Et alors? Si on va trop vite, on va se rattraper nous-mêmes. Rien du tout. Tiens, si tu disais. Réveil de mi-homme. Voici la civilisation. La civilisation, je sais pas. Mais en tout cas, une certaine idée de la civilisation. Mon cher, il faut y aller pour en revenir. Hein? Gloire à l'Éternel et ses cousins. Mais Brigitte, tu blasphèmes? Ouais. Tu blasphèmes là, Brigitte? Enfin, à Andalousie, je me souviens des prairies bordées du cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, le faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du nez dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Thank you.
Et voilà, comme je te disais, voici la civilisation. Tu vois, Demi-Homme, même dans l'errance, il est possible de se cultiver. Viens, allons visiter. Quoi? On a ça chez nous? Mauvaise langue. Tout ce que c'est devant toi. Allez, descends et allons voir. Mais on rentre par où? Allons voir de ce côté. Ah ouais. Pas mieux. Bon, c'est un Hollywood peut-être. Ou peut-être c'est l'émergence. Ou une idée de l'émergence. Je sais pas, tu vois. Il y a des cons sur nos routes qui mêlent dans la cour du pouvoir. Il y a des fous sur nos routes. À faire des routes là. Ils en ont de belles ici. Il n'y a personne pour en profiter. Regarde ça là-bas. C'est quoi? Une hallucination sans doute. Pas sûr. Si c'est bien ce que je vois, notre terrain c'est fini, ma chère Brigitte. On est sauvés. L'Éternel est mon berger. Et je suis son mouton. Un bon lit, à manger et à boire, et vive la communauté internationale. Qui va là? Déclinez vos noms, âge et profession. Mon con, je t'arrête tout de suite. Pas un pas de plus, ou je tire. Ok, ok, écoutez, nous sommes deux réfugiés et nous cherchons asile dans votre place forte, pour la nuit. Voire plus, si affinité. Tu te crois où, l'avorton? Ici, ce n'est pas un hôtel ou un camp de réfugiés. Ben, on... Et toi là, ta fiole, ta gueule. Passez vos chemins, branleur de migrants. Et ton mandat? Tu as fait quoi de ton mandat? Mon mandat, Nambo, c'est de te regarder de loin, de haut, avec condescendance. Pendant que les multinationales pillent ton pays. Et c'est ce que nous faisons avec application. Quoi, t'es déçu? Mon cher, si on servait à quelque chose, tu ne serais pas là à demander l'asile, bouffon. On devrait la dénoncer. Ah ouais? À qui? Cette leçon vaut bien fromage, sans doute. Avec les compliments de la communauté internationale. Parez-vous maintenant. C'est curieux. J'ai la nette sensation d'avoir déjà vu ça quelque part. Effectivement, effectivement. Au Rwanda, en Palestine, au Congo, oui. Partout non, en fait. C'est pas ce que je veux dire. Dis Brigitte, est-ce qu'on a encore un peu d'essence? Bah, j'en sais rien. La chose, on dirait, elle est cassée. On verra bien alors. À la grâce de Dieu. La grâce de qui? Décidément, tu as le blasphème chevillé à l'âme, aussi fidèlement que le Christ est cloué à la croix. Ben justement, sur ce long chemin de croix, voilà bien la seule station qui peut me bouleverser. Hein, le nain? Regarde. Ohé! Y'a quelqu'un? Personne? C'est curieux ça! Tiens! Regarde là-bas! Trop, c'est trop! Y'a pas de voiture sur ces routes de l'Exode, que des bateaux! Je me barre aussi! Bon! Ça nous arrange, hein! On va pouvoir faire le plein et puis continuer vers le sud! Il faut le dire vite, le nez! D'autres y ont pensé avant nous, hein! Écoute, on va passer la nuit ici. Demain, c'est un autre jour, tu vois? Au moins, ici, c'est propre. Tu n'as pas remarqué? La station, c'est bien le seul endroit du pays où l'homme n'a pas tout salopé. Tout ça, c'est à cause des Blancs. Comment ça? Mais ça fait des années qu'ils déversent leurs ordures chez nous. Imbécile.
Je te laisse. Je m'en vais dormir. Dis-moi, Passepartout, tu lis quoi là? No way. No way. Bien. Je crois que tu as compris. Bon, je te laisse. Sans en avoir l'air, il me reste les désirs d'un continent à travestir. No way. No way. Hé hey oh, le nez! Le nez! Le nez! Y'a quoi? Réveille-toi, ça fait une heure que tu cries no way, no way, no way. Quel way? Y'a rien, y'a rien. C'est un mauvais rêve. Bon tiens, je t'ai trouvé un habit dans la nuit. Ok, je comprends pourquoi on n'avance pas. Et pourquoi alors, monsieur l'actuel? On n'avance pas parce qu'on croit trop au Père Noël. Tadang! Et voici le Père Noël. Bon, c'est malin. Mais la vraie question, c'est, on va faire comment? C'est comment, comment? Le nabo de l'instit est toujours chiant devant ses maïs. Imbécile. Ce qui est insupportable, on ne le supporte pas. J'aime bien les ponts. Ils te mènent toujours et sans exception sur une autre rive. Vers une autre rive ou vers une autre dimension? Ah ouais, il n'y a plus de goudron. Je me demande qui a eu cette belle idée. À la limite, c'est presque de l'art. Bah là, on est mal. Oh, t'inquiète. Tu sais, généralement, là où il y a de la connerie, et la civilisation, elle, n'est pas loin. Crois-moi. Hop, en route. On va suivre le chemin. Normalement, ça nous mènera quelque part. T'as pas peur des bêtes? Quelle bête? Il n'y en a plus depuis longtemps. Bon, je sais pas. Des panthères, par exemple. Quelles panthères? Les seuls qui restent sont dans la télé. Écoute, si tu as peur, marche au milieu, ok? Marche au milieu? Mais on n'a que deux. Tais-toi et marche. Là, c'est un peu la loterie, hein? Ah ouais. Si j'avais une pièce, je la jouerais à pile ou face. Mais là, je ne peux même plus m'offrir le luxe du hasard, hein? Alors, Don Quichotte, tu te balades avec ton nez de jardin. C'est quoi ça, Brigitte? Tu as entendu? C'est quelle race d'arbre ça qui parle? L'arbre n'a pas l'arbre si on ne se sauve pas vite fait. Ton destin, tu ne veux pas connaître? Si, 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 si. Alors, de dos, face à l'arbre, tu te présenteras. Puis, de gauche, le chemin tu emprunteras. Tu cours couer le nez. Tu cours couer le nez? Tu cours couer le nez, ça veut dire quoi? Tu cours couer, ça veut dire toi aussi, le nez. C'est en latin, une langue morte. Celle de ceux qui ont colonisé nos ancêtres, les Gaulois. Tu vois? Wallahi, je suis un peu dépassé. Bah, faisons ce que dit l'arbre et on verra après. En fait, Brigitte, à gauche de dos, c'est comme à droite de face. Bon, bon, là, c'est moi qui suis dépassé. Franchement. Bah oui, t'as pas le choix. Puisque t'as deux directions à prendre en même temps.
C'est juste une question de point de vue. Je ne sais pas. Ça me rappelle l'histoire du chat mort et vivant dans une boîte. Chat? Oui. Blanc ou noir? Ben, tu ne le sais que lorsque tu ouvres la boîte, tu vois. On n'entre pas ici comme dans Jean Moulin. Ici, c'est pas la Gay Pride. Ici, c'est le bois sacré. Mon bois sacré. Mais, il dit quoi le feuillu là? Je ne sais pas, mais à mon avis, il serait sage de ne pas l'énerver. Mille excuses, hein, votre éminence. Comme vous pouvez le constater, nous sommes égarés. Soit, mais cela ne m'explique pas les raisons de cet accoutrement. N'y voyez pas un coming out, monseigneur, mais plutôt le résultat des aléas sécuritaires dans la sous-région. Trop de mots, l'honneur. Tais-toi un peu. Quant à toi, la fiotte, quel est ce signe que tu portes sur ton front? Aucune idée, hein, votre honneur. Je me suis réveillé tatoué de la sorte au lendemain d'une nuit cauchemardesque dans le désert. Ce signe-là me dit quelque chose. Suivez-moi, ou plutôt précédez-moi. Avoir son avenir dans le dos, c'est déjà une manière de le connaître. On dirait un tapis Ikea. Tu trouves pas? Top! Assis et taisez-vous maintenant. De la façon dont ce coq meurt, de cette façon sera ta vie. Il est sorti de la matrice, ce tape. Le réchauffement climatique, sans doute. Tu sais, c'est dur pour les végétaux. Le signe de l'aigle. C'est le signe de l'aigle. Il va donc me falloir te mettre sur la voie. Tu es l'élu, mais tu ne seras jamais élu. Ouais, c'est ça ou la solitude. Parfois, la solitude, ça rend dingue. La voie du milieu, toujours tu choisiras. Et du succès, toujours tu te moqueras. Merci pour vos conseils pleins de sagesse. Mais pourriez-vous nous indiquer la civilisation la plus proche? C'est devant. Après les trous, l'odeur te conduira. C'est quel oracle ça? Si on doit se diriger à l'odeur des trous, c'est pas sûr que ta voix soit celle du milieu. Pornographe. Moi j'ai un ami qui aime bien les poils et les odeurs. Arrête, tu me dégoûtes. J'ai faim. Un Africain sur deux a faim. Génial. Donc toi tu n'as pas faim. À peine lu et tu dis déjà n'importe quoi. C'est la vérité. N'empêche, j'ai un creux. Bah, garde ton creux et trouvons le trou. Bon, on est dénoué dans un tunnel. On risque pas de trouver le... Ah! Heureux les simples d'esprit. Voilà un trou. Bah, on va passer la nuit dedans. Au moins, on tombera pas plus bas. Putain, c'est Verdun? Verdun? C'est quoi ça, Verdun? C'est quoi ça, Verdun? T'as foutu quoi à l'école? Oh. Mais quoi? On n'est pas tous nés avec une cuillère à sucre dans la bouche, hein? Ah. Qu'est-ce qu'il est con? Demande à tes parents qui sont morts là-bas pour la patrie de leurs ancêtres, les Gaulois. Ah, je croyais qu'on n'était pas encore entré dans l'histoire. Si, on en est même à l'origine. Le problème, c'est qu'on nous en a souvent sortis.
surtout de la nôtre. Putain, le trou. Imagine la taille des rats. Mais c'est quoi ça? Ouais. C'est l'association remarquable de la misère et de la cupidité. Joli. Mais à défaut de briller seulement, si tu pouvais nous éclairer, la foule ici absente, t'en serais reconnaissante. De l'or. Tout ça, c'est pour de l'or. Les idiots. Mais attends, donc, tu veux dire que ce sont les villageois qui ont fait tout ce trou pour de l'or? Le tout pour 2000 francs le gramme. Hein? Soit 10 fois moins que le cours officiel. Et tout ça à crédit, hein, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour s'acheter le matériel, tu vois. Ces idiots détruisent leur terre cadeau, et pour longtemps, hein. La seule richesse pourtant qui les faisait vivre. N'empêche, vu du ciel, ça doit être beau. Ouais, au bout de loin, et loin d'être beau. Facile. Tu vois ce que je vois? Mais comment c'est possible? Fiat Lux. N'as pas dit que tu as fait? Eh bien, demande et une banque, tu recevras. Comme si tu y étais pour quelque chose. Ben, quand les événements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, tu vois. Qui a dit ça? Clémenceau, un gentil colon. Il n'y a pas de gentils colons. Juste de rester là. Oh, je t'arrête là. Tu sais, dans ce monde globalisé, chacun est receleur de la souffrance des autres. Ok? Si c'est banalité, je me propose de manger la mangue. Avec un peu d'eau pour étancher ta soif. Brigitte, mais comment tu as su? Comment j'ai su? Tu sais, les miracles, c'est souvent une question de point de vue. Ah, en matière de point de vue, le mien est plus élevé que le tien. Donc du coup, je vois ce que toi, tu ne peux pas voir. Allez, allons, petit homme. Imbécile. Ceci dit, à ta place, je ne goûterai pas à cette eau. Et pourquoi pas? Le prophète a dit, buvez à la même coupe, mais ne vous abreuvez pas à la même source. On dirait ton élection autocratique t'es boiteux au cerveau. C'est ça. Ça a pété dans ta tête. Le cyanure, mon con. Pour séparer l'or du reste là, on utilise le cyanure, un poison mortel. Et on déverse ça dans l'eau et dans les nappes souterraines, tu vois. T'as qu'à regarder autour de toi, tout est dévasté. Bon, trouvons l'eau. Rares sont les rivières qui remontent à leur propre source. Suivons cette eau et quittons ce champ de bataille. Alors. Mais Brigitte. Ça, c'est le paradis perdu. Sans l'homme pour saloper, c'est quand même beaucoup plus beau. Hein? Un paysage est-il beau si personne n'est là pour le contempler? Eh bien, voilà qui devrait faire l'affaire. Tu vois, le nez. Montons dedans et ramons vers la civilisation. Allons-y.
Tiens, regarde ça. On dirait l'arche de Noé. Tu vois la montée des eaux là? Ça date pas d'hier, hein? Hé, hey Brigitte, dis-moi, comment se fait-il qu'avec des cerveaux aussi cultivés que le tien, on est toujours en retard sur le monde, hein? D'après toi, l'Afrique est-elle l'avenir du monde ou le présent du monde futur? Mais, c'est quoi ça? C'est quoi toutes ces bêtises? Mais j'ai rien compris, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, en français facile. C'est l'Afrique qui va attraper le monde ou c'est le monde qui va rattraper l'Afrique? Moi, je sais pas, hein. C'est pas toi l'intellectuel? Faut m'éclairer seulement. Bah oui. J'ai comme l'impression, par exemple, que les migrants qui vont là-bas n'y trouvent déjà plus rien depuis longtemps de ce qu'ils espéraient. Et donc, tu paraboles quoi là? Non, je vais dire que les Blancs, ils ont mis plus de temps à détruire eux-mêmes leur propre civilisation qu'à empêcher la nôtre de se développer. Mais qu'ils sont sur le point d'y arriver, tu vois? Comment ça? Ils sont pétés des thunes là-haut. Mais tu n'es pas sans savoir que l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Et que les pauvres s'y multiplient là-bas à aussi haute fréquence que les transactions financières et les milliardaires qui les fabriquent. Donc si je résume, tu veux dire qu'on est l'avenir du monde parce qu'il s'effondre, c'est ça? C'est ça. Mais selon les lois de la relativité générale, encore faudra-t-il qu'on ne descende pas plus vite qu'il ne s'effondre. Donc, tu veux dire que ça pourrait être pire que ça? Ouais, c'est à craindre. Regarde, on n'a plus d'État, plus de justice, plus d'éducation, plus de santé, plus de climat. C'est la loi de la jungle, quoi. Mais cette fois sans la jungle, parce qu'on l'a dévastée. Mais tu te connes? Et la croissance a deux chiffres à l'eau. C'est mythologique? En plus, il y a des chantiers partout. Des coquilles vides et beaucoup de com. On s'agite à la surface des choses, mais en profondeur, est-ce que l'homme s'améliore? That is the question. Ce qui veut dire que... Que dans 20 ans, il y aura sur ce continent des centaines de millions d'analphabètes et des légions de handicapés du verbe. Rajoute à ce tableau la pauvreté, le réchauffement climatique, les violences, les famines et tout ce beau monde va débarquer en ville. Des millions de microbes désœuvrés et désespérés, des zombies affamés, comme dans les films. Si on est déjà mort, à titre posthume, selon ta grande érudition, je peux savoir où on a mardé? L'appât du grain, les poules libres du poulailler libre se sont éventrées au lieu de se liguer contre le rénal libre qui, lui, n'avait plus qu'à ramasser les morceaux. Trop de paraboles, ne remplis pas mon bol. T'as qu'à écrire tout ça dans ton petit livre, c'est. Et le matin du grand soir viendra te chercher pour illuminer nos vies. Bouffon. Avant, on dansait, on faisait papa là. Danser. Avant, on mangeait, on prenait pas dessert. Bouffon toi-même. Continue comme ça. Ça va aller. Wallahi. Mate-moi le lac sur la berge. Il est énorme. Mal nommé, les choses s'est ajoutées du malheur au monde. Ah, mais tais-toi! On est au cœur des ténèbres quand même. Oh, mais putain! Ta gueule! Nabo, réveille-toi là. On n'est pas seul. Ah, si tu crois à Dieu, tu seras jamais seul. Bah, soit ton Dieu est un mille pattes, soit il a un sacré problème au pied. Comment ça? Bah, je suppose que c'est l'odeur. L'odeur. N'importe quoi.
Qu'est-ce que tu fais? Je petit déjeune, votre seigneurie. Imbécile! On ne se serait pas trompé de route par hasard? Ah oui, bien sûr. Au feu rouge, on aurait dû prendre à gauche. Idiot. Tu as déjà vu une rivière qui tourne beaucoup? Hein? Allez, on se fâche pas. Mais c'est quoi ce délire? On n'a pas vu tout nous en rond? Mais ça n'a pas de sens. Ben, parfait. Si ça n'a pas de sens, ça nous dispense d'en chercher un. Dieu te voit, lui. Tu vas dire quoi par là? Apostat. Non, rien. Rien du tout. Ici aussi? Oh, toi là-bas, arrête de rire. Y'a quoi? Si Dieu te voit, tu es croyant? Mais si toi tu vois Dieu, c'est que tu es malade. N'importe quoi. Bouffon de télo. Poissonniste. Idiot. Mécréant. Abruti. Si encore c'était une illusion locale, une démence africaine. C'est un truc de blanc. Je te cherche. Ce serait bien qu'il nous trouve maintenant. Hein? Tu as entendu? Quoi, les chants là? C'est ton salut sans doute. L'église rachetée de Dieu. Pas cher. Hein? Mais c'est quoi ce nom là? Allons voir. Sors de ce corps. Va de retro Satanas. Sors de ce corps. Va de retro Satanas. Sors de ce corps. Va de retro Satanas. Sors de ce corps. Putain, c'est pas de la blague. Le Messie est revenu. Regardez, il a le signe. Non, pas le nabo, l'autre, le travelo. Gloire à Dieu, mes frères. Et remercions Dieu, son oncle, sa tante, ses cousins, pour ce Messie qui vient de nous envoyer. Gloire à Dieu, aplatissons-nous. Bon, jusque-là, on peut dire que c'est cohérent. Le signe, la dégaine, le côté pontifiant, tout est là. Papa est venu, papa est venu. Mon Dieu est venu. Mais putain, papa est venu. C'est quoi ce délire? Ils sont tous plus âgés que moi. Papa est venu. Hey, oh, les allumer là. Faut arrêter de fumer les cierges, hein. Je n'ai rien à voir avec votre prophète. Y'a qu'à regarder la tête de mon ange gardien. Mais c'est un nabo. C'est le signe de ta grande humanité. Toi quitte là. J'ai l'original. On n'a plus besoin de la copie. Votre sainteté. Bienvenue dans votre basilique. Nous sommes votre troupeau.
conduisez-nous vers la terre promise. Attendez, attendez. Mais c'est un faux prophète. Le chien est à la veille. C'est trop facile. Eh ben, marche sur la tête et tu verras Jésus. C'est sans doute la chose la plus vraie que j'ai entendue dans une église. Hein? Oui. Bon, mes amis, on se calme. Pensez-vous que si j'étais le prophète, je serais moi-même affamé? Il suffirait d'un claquement de doigts et je multiplierais les poissons et ce serait open barbecue pour tout le monde. Un miracle! Un miracle! Des poissons! Des poissons par milliers, venez tous! Alors là, on est mal, hein? Ben, c'était quoi déjà le truc des opailleux? Le cyanure. Je crois qu'on va garder ça pour nous. Parce que là, on ne peut pas trop le décevoir. Alléluia, alléluia. Ouais. Mon cher, je te conseille de ne pas partager le repas de ce soir. Merci. Mais à chaque miracle, l'élu se doit déjeuner. Et moi, par solidarité, je l'accompagne. Tout ça me dit quelque chose. Mais rien qui vaille. Surtout vers la fin. Bah, t'as qu'à me prier pour ton salut. Abruti. Idiot. Nihiliste allemand. Nihiliste allemand? C'est quoi ça? Bon, je sais pas. Hein. J'ai vu ça dans un film de boule avec Jésus. Adieu les fous! C'est quand même étrange, hein? Et qu'est-ce qui est étrange? Bah, c'est trop facile, tu trouves pas? Tais-toi et rame! Maudit publicitaire! Première plus grande, mais ça ne veut rien dire ça! Ouais? Là, on touche le fond! En effet! Non, non! On touche le fond! Je vais dire qu'il n'y a plus d'eau! Putain, pas eux. C'est un cauchemar. Papa est venu. Papa est venu. Papa est venu. Papa est venu. On est là, on est là, on est là. Nous avons décidé de quitter notre église pour te suivre, merci. Merci. Ah non, là vraiment, il ne fallait pas. Il ne fallait pas, vraiment. Juste dommage qu'il n'y ait pas une Marie-Madeleine dans le lot. J'aurais aimé une petite pipe avant la crucifixion. Oral Pronobis. Ça veut dire quoi? Une prière en latin. Bon, le nez, réveillons ces allumés. Au moins en groupe, la route sera plus sûre. Papa est venu. Papa est venu. Non, relevez-vous, papa relevez-vous, mon ami. Venu. Relevez-vous, chers amis, allez. Dieu n'aime pas guider les troupeaux, mais préfère ramener la brebis égarée. Enfin, c'est ce qu'on suppose. Bon, c'est pas le tout, ça. Il faut encore qu'on trouve la voie. Moi, je suis de la région. Je sais où se trouve la voie. Bah, tant mieux. Ça nous évitera de la chercher. Passe devant nous. Nous te suivons. Ça fait pas très professionnel pour un monsieur de suivre son apôtre. Ah. Oh. Je ne le suis pas. Il nous précède. Si je me retourne, il est derrière. Vivez à la même coupe, mais ne vous abreuvez pas à la même source. Surtout quand elle est tarie. Dis-moi, Brigitte, ceux-là, ils ne devraient pas marcher sur les genoux. Ce serait plus crédible, non? Voilà la voie, voilà la voie. Ouais, si encore ce train partait en Pologne. Pourquoi? Il y a quoi en Pologne? Bah, apparemment, il y a l'innocence que confère l'ignorance, tu vois. Merci. Maintenant qu'on a trouvé la voie, on fait quoi? Mes enfants, il faut suivre la voie du milieu. Mais non! C'était juste pour vous éprouver!
miracle. Un nouveau miracle. Oh, mais il est long ce miracle. Dis-moi, un miracle ça dure combien de temps en moyenne? Dans le livre, je veux dire. L'espace et le temps sont liés, comme l'a démontré Einstein. Ce qui importe ici, c'est le sens. Non pas au sens du sens, mais au sens de la direction du signe de ce sens. À savoir là-bas. C'est curieux. Ça me rappelle un proverbe. Quand le sage... C'est pas lourd. Mais au fait, Messi, il y a quoi dans ces wagons qui n'en finissent pas? Vous voulez vraiment savoir? Ben oui, tant qu'à faire. En tant que Messi, tu as bien quelque chose à nous apprendre. Ok, je vais te répondre. Mais d'abord, en route, on a une longue marche devant. Ce qu'il y a dans ce train, ben, c'est la souffrance de nos frères, comme jadis avec le commerce triangulaire. Sauf que maintenant, avec la mondialisation, on exporte juste le fruit de la souffrance, mais plus la force du travail. Ce qui dispense de la nourrir, mais aussi de la contrôler directement. Puisque les élus des républiques bananières qui nous oppriment le font gracieusement. Tu vois? Il parle bien. Oui, oui, mais la dernière phrase était un peu longue. Oui, mais au fait, c'est quoi le commerce triangulaire? Le commerce triangulaire, comment je vais t'expliquer ça? Voilà. C'est extraire chez nous ici nos matières premières à vil prix, aller les travailler ailleurs et revenir nous revendre une fois transformés ici à un prix beaucoup plus cher. Mais il est où le troisième côté du triangle? Bonne question. On ne sait pas, peut-être là ou là. On ne sait pas avec exactitude, mais il y a de fortes chances qu'il soit aux Bahamas, à Dubaï ou tout autre paradis fiscal. Paradis fiscal? C'est dans la Bible ça? Ouais, c'est dans la Bible. C'est dans l'évangile selon Apple. Apple, c'est pomme en anglais, non? Non, c'est Windows, mon nez. Le nez, tu sens ça? Ouais, c'est l'odeur. L'odeur dont parlait l'arbre. Tout à fait, on approche. C'est beau, Messi. C'est ça la terre promise? Quoi, terre promise? Ça a plutôt l'odeur d'une promesse avariée. Allez, avançons. L'arche de Noé, regardez, l'arche de Noé devant. Mon cher, je crois que l'arche de Noé, elle est en ce moment au sommet d'un arbre. Hein? Ouais, ben, allons-y voir quand même. Là, on peut passer. Dis, Brigitte, c'est ça un arbre à nœuds? Non, ça c'est plutôt une cage à nœuds. Panem et circenses, c'est du latin. Du pain et du jeu. Cirque olympique du grand timonier. Cérémonie d'inauguration. Mais c'était il n'y a même pas longtemps. Longtemps ou pas, moi, la messe en latin dans un cirque, bon. Ça me dit rien de bon. Tu as raison, l'histoire a tendance à se répéter par ici. Ben moi les jeux je sais pas, mais par contre le pain, je suis pas contre. Allons retrouver la voie. Regardez. Bienvenue dans le monde moderne. Tu vois, depuis on était dans le métro sans le savoir, hein. Là, on a trop percé, hein. Oh. Et en plus, depuis qu'on marche, c'est gratuit. Ah, en tout cas, c'est vrai que le métro est plus confortable que le train. Hein. Moi, personnellement, bon, je ne vois pas trop ce qui change. Ce qui change, c'est l'idée qu'on en a. Car rien n'est en soi ni bon ni mauvais.
Tout dépend de l'idée qu'on en a. Ok, ok. Mais Messi, pour la terre promise, on fait comment? Ah ça? On est bien sur la terre promise de quelqu'un en tout cas. Mais pour nous, c'est devant. C'est toujours devant et un bonjour. Tu apprends que tu l'as dépassé. Donc, dis-toi que tu as émergé suffisamment pour voir qu'on t'enfume. Ce qui en soi n'est pas une bénédiction. Donc, c'est ça la terre promise? Bon, c'est ce que croient beaucoup de tes contemporains. Hein? Avançons donc pour prendre la mesure exacte de ce paradis terrestre. Mais elle commence où la terre promise? C'est devant. Tais-toi et marche. Fiat Lux, que la lumière soit. Réveillez-vous, réveillez-vous. Terre promise, je l'ai vue, je vais vous y conduire. C'est ici. Incroyable. C'est bien le même signe. Mais décidément, rien n'est droit ici-bas. Mais Messi, Carrefour là, ça veut dire quoi? Carrefour, c'est l'horizon des événements. Le point de bascule entre les mondes. En gros, je vous explique. Carrefour, c'est là où se croisent au nord les pauvres des pays riches. Et au sud, les riches des pays pauvres. Voilà. Donc, pour conclure, c'est une sorte de croisement où on ne risque pas de se mélanger. Mais qui reste quand même le seul vrai espace démocratique, tu vois? Ça sonne bien, mais moi, j'ai rien compris. Moi non plus. Ça m'a même pas édifié. Moi non plus. Mais c'est l'affaire des riches là qui m'a un peu plu. Bon, laisse l'autre là et allons visiter la terre promise. Il y a quoi de démocratique ici? Le choix, ou plutôt le non-choix. Le boycott de leurs produits. C'est la hantise de tous les dominants. C'est ici, et rien qu'ici, que tu peux leur faire mal. Le boycott? Alors que j'en ai rêvé toute ma vie. Messi a deux balles. Toujours prêt à partager la misère. Mais pour le luxe, ça c'est pas son rayon. Regarding to me, and instead of what happened in many shithole countries in the sub-Saharan region, regardez-moi celui-là, un vrai bouffon, big international companies, comme toi, including mines. But to be honest, I must confess that I'm not interested yet in power. Wow, j'aime bien cette église. Je vais prendre carte de fidélité. C'est en effet dans tout ce que j'ai vu, c'est ce qui ressemble le plus au jardin d'Eden. Alors les clodos, c'est open bar? On se sert sans demander? C'est quoi lui? C'est ça un dominant? On dirait. Ça m'en a tout l'air. Je vais t'entendre moi de la domination. Tu vas pas être déçu, Philistin. Allez les tafioles, suivez-moi pour une petite interview. Bon le nain, fais un petit effort. Là t'es pas à la hauteur. Ok. Juste pour tout le monde. Maintenant, videz-moi un peu vos poches. Pour une fois que j'ai trouvé ma taille. Bon, there is no free lunch, comme on dit à Wall Street.
Donc, en route. Affaire suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qui sont ces intermittents du spectacle judiciaire? Des sans-dents et un pygmée, votre honte. Atteinte à la sûreté de l'État. Atteinte à la sûreté de l'État? C'est quoi ce délit? Bien. Qui est le meneur de cette troupe de dangereux agitateurs? Ça recommence. Pour le nez, ça sera demi-tarif. Greffier, fais ton office. Demi-tarif? Eh oui, mon petit. C'est un peu comme à l'hôtel. Mais sauf qu'ici, c'est la chambre qui est gratuite. Mais pas la décision. Bref. Maintenant, je vous pose la question. On dit quoi? Banco, 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 banco. On dit quoi? Mais on est innocent! On est innocent! C'est pas la question. Là, on en tient bon. Mais c'est de la corruption! Corruption, corruption! Comme tu y vas, camarade. On dira plutôt que c'est une saine adaptation au monde néolibéral qui nous entoure, du Darwin-win, en somme. Du Darwin-win? Mais c'est quoi ça? Bon. Comme on n'est pas des monstres et que c'est bientôt l'heure de manger, c'est les clodos qui vont trancher. Entre le nez et Jésus la blonde. Qui en boucle? La blonde, la blonde, la blonde, la blonde, la blonde. Le nez, c'est un pécheur comme nous. L'autre fait trop de phrases. Et c'est fatigant. Bon. 20 ans à réexaminer quand tu seras solvable. La séance est là. 20 ans? Mais j'ai fait quoi? Ça là, sur ton front, c'est outrage à magistrat. 20 ans TTC. T'inquiète. Je te promets sur l'honneur que je te ferai sortir de là. Il n'y a plus de justice là. Promis, je vais te faire sortir de là. Mais n'oublie pas d'écrire ton petit livre. Le petit livre saint. Commence alors ma période pénitentiaire dans la maison de la défécation et le défilé des jours. Curieusement, mon signe d'infamie m'avait valu dans le doute la considération des autres détenus et un lit dans une cellule VIP de l'établissement pendant que d'autres s'entassaient dans des cellules lugubres à plus de 100 personnes. Ce fut une période étrange mêlée d'angoisse et de lâcher prise, hors du temps et de toute obligation. Et j'en profitais pour rédiger le fameux manifeste, mon livre saint personnel. Entre rencontres improbables. Si je la laisse à l'église, ils vont me la voler. Dîner mondain avec le cador de la prison et autres activités artistiques. Allez, Picasso, tiens, fais-moi ce que tu veux. C'est que ma notoriété avait grandi, comme ça, sans que je n'y sois pour rien. Au dedans comme au dehors, comme si quelque chose travaillait pour moi mystérieusement. De plus en plus j'écrivais, je noircissais des pages et des pages de mon carnet de notes, héritage d'un prédécesseur malheureux. Je lisais aussi beaucoup, avant de tomber par hasard, si tant est qu'il y ait des hasards, sur une image. Une image puissante qui m'ouvrit les yeux. Le signe qui m'avait valu 20 ans n'était peut-être pas celui que tous avaient cru reconnaître. Cette découverte fut une véritable révélation. De pseudo-mystique, je devenais un pseudo-révolutionnaire. D'un coup net, je me sentis débarrassé d'un poids immense. Plus question de briller en sauvant le monde, mais juste d'éclairer seulement par quelques coups de classe sporadiques. Du spirituel, je passais au temporel.
un territoire nettement plus praticable. C'était ça. Mais merde. Et j'écrivais toujours plus, porté par cette révélation inattendue, sans perdre de vue la situation du monde qui, à l'extérieur, s'effondrait littéralement. 40 ans de néolibéralisme et de mondialisation avaient dévoré l'intérêt général et détruit les services publics. La quête du profit maximal avait divisé le monde en deux. Quelques rares élus multimilliardaires et des milliards d'affamés, réfugiés économiques et climatiques, dépossédés de tout. La voix du chaos se réalisait en live sous mes yeux. Elle ne devait pas tarder à taper à la porte de ma cellule. C'était un dimanche matin. On a entendu des explosions et quelques rafales, puis le bruit sourd d'un hélicoptère d'attaque. Quelques instants plus tard, dans le couloir, des voix hurlaient. Ouvrez, ouvrez, comme si je pouvais ouvrir. Une voix familière se fit entendre. Tu as compris? Pas tant de croquis. Grouille-toi, ou je te pute. La porte finit par s'ouvrir et là, je vis le nez déguisé en Wagner. Pas celui des Valkyries, mais celui des forces spéciales russes. Nos retrouvailles furent intenses, mais bref. Bon, ok, Brigitte, on n'a pas le temps pour les effusions, hein. Prends le livre et barrons-nous. Ok. Quelques instants plus tard, nous étions dans les airs et survolions une ville livrée aux violences et aux pillages. Le nain dit alors que le gars et son système sont tombés. Et comme il ne restait pas beaucoup de communistes sous nos tropiques, ils ont dit qu'ils allaient me mettre à sa place. C'est comme ça que ça s'est passé. Puis nous avons atterri. Une place forte en périphérie où je serai en sécurité gardé par mes nouveaux prétoriens. On me conduisit à ma chambre. Au passage entre deux portes, je reconnus une figure jadis populaire. Puis le nez me fit savoir que tôt le lendemain, je parlerai à la télé nationale et que j'avais ce qu'il faut pour pondre le plus beau des textes et nous octroyer un avenir radieux. Je le remerciais alors pour ce qu'il avait fait pour moi. Il me laissait choir sur le lit de la chambre d'hôtel perplexe. À ma droite se trouvait impeccablement repassé un uniforme de colonel d'une armée régulière, mais déjà redevable à des partenaires extérieurs. Sur le bureau, une bouteille de vodka et un ordinateur. Dans le poste, tournaient en boucle les images de l'ancien père fondateur déchu. Et, entre mes mains, mon carnet de notes, futur petit livre saint à l'usage des honnêtes gens. Plus tard, je passais à la salle de bain, enfin propre, et à l'abri des regards. Au-dessus du lavabo, je me suis vu net dans un miroir pour la première fois depuis bien longtemps. Et puis, j'ai vu enfin le signe tracé au milieu du front communément déposé. Homme sandwich. Tête de gondole du néocolonialisme post-stalinien. Sous le miroir, une tablette avec un verre et dans le verre, une brosse à dents et du dentifrice. Machinalement, j'ai ouvert le robinet et l'eau a coulé. Après des mois de sécheresse dans ma cellule, je me suis lavé les dents tout en regardant l'eau couler longtemps, comme ça, pour rien, mais sans toutefois l'arrêter. Je suis resté là un bon moment, puis un déclic. J'ai coupé l'eau et je suis parti écrire le discours du lendemain. Super, il y a Internet. Alors, Gogol, va chercher discours politique. Voilà, on y est. Générateur automatique de discours. Ouais, ça c'est top. À l'écran, défilaient toutes les phrases, les fameux éléments de langage automatique qui remplissent de mots creux la parole des politiques. Générateur de slogans. Ah, ça, c'est génial. Comment on exporte, bordel? Bon, voilà. Si on ajoutait un peu de poésie.
Là, on touche à la quintessence de la communication. Enfin, j'étais prêt pour l'épreuve du lendemain. Un jour qui deviendrait mémorable dans l'histoire des sciences politiques. Tu es prêt? C'est à toi dans 2 minutes. Je suis en uniforme de colonel. Un truc qui marche fort en ce moment. Tant les gens sont désespérés. L'autorité, l'ordre au milieu du chaos, la cohérence. On me maquille, sans toutefois cacher le signe sur mon front. Mais la dame a vu sans le voir que quelque chose est différent. 30 secondes, dit le nain. Dans 30 secondes, c'est à toi. Qui se rêve faisait de roi. Puis c'est l'heure. La caméra me fixe. Je pense à Chaplin, au dictateur, et je me lance. Mes chers frères et sœurs, je tiens à vous dire ici toute ma détermination sans faille. Au début, tout va bien. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui me contredirez si je vous dis que la situation d'exclusion que certains d'entre vous connaissent... Puis, l'allocution devint un peu étrange. Mais attention, les hypocrites ne participeront jamais à se lamenter sur les tourbillons. Car la liberté ne tire pas parti de vos ellipses temporaires, mais bien au contraire, la liberté appelle ses voleurs de poules optimistes pour trembler. Mais c'est n'importe quoi ! À un trou. Fallait-il s'extasier sur des poutrelles de chantier? Et quand le néolibéralisme s'approchait de vos dents, la révolution tirait-elle parti de son omoplate? Ainsi, les chaussures continueront à marcher pieds nus vers un avenir radieux, car plus ça change, plus c'est la même chose. Et je terminerai, cher frère, en vous disant ceci. On dirait qu'il a fini. Rien n'est en soi ni bon ni mauvais, mais tout dépend de l'idée qu'on en a. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Il se bat! Mais c'est quoi ce bordel? Brigitte, reviens! Brigitte, reviens! 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 Heureux qui communiste! Je te laisse tes rêves de grandeur. Garde le livre, tout est dedans. Et n'oublie pas, à vouloir trop gagner, on finit par tout perdre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est qui cette Ulysse? Mais putain, on a encore le livre. Rien n'est perdu. J'ai le livre, c'est... Chers téléspectateurs, le pays est sauvé. Voici le livre, c'est... Chers frères et sœurs, l'élu m'a désigné. C'est donc à moi qu'il revient de vous conduire sur les pages du livre saint. Il est écrit que... Ah, patience et longueur de temps font plus que force le courage. On a toujours besoin, de plus petit que soi, sur ce premier enseignement de notre maître fondateur. Nous rendons l'antenne et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une nouvelle lecture. Regardez-moi celui-là, un vrai bouffon, comme l'autre là. Bonsoir. Imbécile! Oh Brigitte! Oh Brigitte! Oh Brigitte! Je suis béni! Affaire suivante! Mets-moi ce que tu veux. Papa est venu. Papa est venu. Alléluia, merci. Papa est venu. Gloire à l'Éternel. Et c'est qui c'est. Ouais.